Je voudrais simplement dire en deux mots que la destinée d'un homme est entre les mains du Seigneur. Amen. David dit, mes destinées sont entre tes mains. Les personnes que vous admirez aujourd'hui ne sont pas forcément les personnes que vous voyez aujourd'hui comme vous les voyez. Elles sont passées par plusieurs choses. Et la capacité que vous devez avoir, c'est de ne jamais, mépriser les gens, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils passent. Mais la deuxième chose, que Dieu vous donne les yeux pour que vous soyez capable de voir cet homme qui porte la cruche d'eau, qu'il n'est pas simplement le porteur de la cruche d'eau, il a une maison dans laquelle on peut célébrer la Sainte Cène. Voyez au-delà des apparences, voyez au-delà de ce que les gens présentent aujourd'hui, parce que demain est entre les mains du Seigneur. En deux mots, je vous dis simplement ça. Courage à vous. Ce que Dieu n'a pas encore fait aujourd'hui, le fera demain. Amen. Aussi longtemps que vous n'êtes pas encore mort, il y a les...